vois, j'ai vu Louisia en début de soirée. Ça va, ça marche. Mais d'avoir plus proche de ton départ. Sinon, je le tiens. Avec le boucan qu'il y a. Ouais, donc je disais, j'ai vu Louisia en début de soirée. C'était vraiment pas mal. Ça tapait déjà sévère. Ensuite, j'ai vu Didi Cause, qui était vraiment pas mal. Et après, ben, Fritz, c'était une tuerie. Franchement, j'ai vraiment, vraiment bien kiffé. Et là, bah là, je suis impatient parce que là, tu es en train de me tenir la jambe. Mais il y a Green Velvet et je pense que ça va être une bonne édition. Je pense que c'est, enfin pour moi en tout cas, c'est une des meilleures éditions. Parce que ce qui est bien, c'est que le plateau d'une année sur l'autre à l'Ososphère, ça change. C'est jamais les mêmes DJ, donc c'est bien. Il faut que ça, c'est bien, c'est jamais les mêmes DJ, donc il faut que ça évolue, c'est bien. Pourvu que ça dure. C'est pas une impression de déjà vu. Pour moi non, c'est que ma troisième édition, donc non, pour moi c'est pas du déjà vu. Tant que ça évolue d'une année sur l'autre, tant que les DJ sont pas les mêmes, c'est voilà, c'est principal. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer là pour toi? Tu vas rester jusqu'à 5h du matin? Ah bah oui, là c'est sûr. Là je vais rester jusqu'à 5h, c'est clair. Et tu reviens demain? Non, je reviendrai pas demain parce que je suis trop vieux. Enfin, je me tâte encore, on verra s'il y a encore des places. Je sais pas si c'est sold out demain, on verra. Je sais pas. Franchement, je m'interroge en fait, on verra. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je t'en prie.